Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes toujours passionnés par l'apprentissage à distance. Aujourd'hui, pour notre leçon de grammaire, nous allons voir les types et les formes de phrases. Quels sont alors les types et les formes de phrases? Pour les découvrir, suivez avec moi le corpus suivant. Ce sapin n'a pas été déraciné par la tempête. As-tu vu son dernier film? Calmez-vous. Arrête! C'est ma sœur. Ne cours pas. Quelle peur j'ai eue! Alors, dans la première phrase, ce sapin n'a pas été déraciné par la tempête. On a donné une information. On a énoncé une idée. La phrase finit par un point. Donc, c'est une phrase déclarative. Pour la deuxième phrase, as-tu vu son dernier film? Alors ici, on pose une question, on interroge, on s'attend à une réponse. La phrase, bien entendu, finit par un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. La phrase numéro 3, calmez-vous. Dans cette phrase-là, on donne un ordre. Et le verbe est conjugué à l'impératif. Regardez bien les enfants, la phrase finit par 3 points de suspension. Et c'est une phrase impérative. La phrase qui suit, arrête. Là aussi, je donne un ordre. Et le verbe est conjugué à l'impératif. Donc, c'est une phrase impérative ou injonctive. Elle finit par un point d'exclamation. C'est ma sœur. Ici, j'exprime un sentiment d'admiration. C'est ma sœur. Et la phrase finit avec ou bien par un point d'exclamation. Donc, c'est une phrase exclamative. Encore une fois, nous avons une phrase impérative ou bien injonctive. Ne cours pas. La phrase finit par un point d'exclamation. Mais je donne un ordre. Ne cours pas. Quelle peur j'ai eue! Ici, j'exprime un sentiment de peur. Quelle peur j'ai eue! Je m'exclame. C'est une phrase alors exclamative qui finit par un point d'exclamation. Alors, comme vous pouvez le voir, la phrase impérative ou injonctive peut finir par un point d'exclamation, par un point ou bien par 3 points de suspension. Et la phrase exclamative finit elle aussi par un point d'exclamation. Alors, pour faire la différence entre ces deux types de phrases, on doit bien faire attention au ton du verbe. On doit bien faire attention à la conjugaison du verbe. Alors, dans les phrases impératives, comme vous pouvez le remarquer, le verbe est conjugué à l'impératif. C'est clair les enfants? Alors, pour la phrase exclamative, quelle peur j'ai eue, dans cette phrase-là, on a utilisé le mot exclamatif quelle. Bien sûr, on doit penser au même mot, au singulier, au pluriel, au masculin, pour introduire les phrases exclamatives. Mais on peut aussi construire des phrases sans ce mot-là, comme le cas de la phrase « c'est ma sœur ». C'est une phrase exclamative, même s'il n'y a pas de mot exclamatif. Et là aussi, pour la phrase exclamative, il y a d'autres mots qu'on peut utiliser, comme le mot, je peux dire par exemple, que j'ai eu peur, ou bien comme j'ai eu peur. Alors, je vous propose un tableau qui récapitule tous les types de phrases qu'on vient de voir ensemble. Alors, nous avons la phrase déclarative, elle énonce une idée, rapporte un fait, donne une information. Elle se termine par un point. La phrase interrogative sert à poser une question.
et se termine par un point d'interrogation. La phrase injonctive, et on peut l'appeler aussi impérative, sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle se termine par un point d'exclamation ou par trois points de suspension et même par un point. Enfin, la phrase exclamative sert à exprimer un sentiment de joie, de colère, d'étonnement, d'horreur, de peur, d'admiration. Alors, il y a pas mal de sentiments à exprimer. Alors, elle se termine par un point d'exclamation. Maintenant, chers élèves, on passe à la forme des phrases. Alors, notez bien qu'il y a quatre formes de phrases. Alors, il y a la forme active, la forme passive, la forme affirmative et la forme négative. Pour votre niveau scolaire, concentrez-vous seulement sur les deux dernières formes. Pour la forme active et passive, vous allez, inch'Allah, les voir dans les années prochaines. Alors, je vous lis les phrases. Un mur entoure la maison. Il ne pleut pas en ce moment. Il n'a pas réussi son examen. Il n'est jamais arrivé en retard. Alors, revenons à la première phrase, chers élèves. Un mur entoure la maison. Dans cette phrase-là, j'affirme une idée ou bien j'exprime une idée, tout simplement. Alors, la phrase est à la forme affirmative. Je peux même commencer la phrase par oui. Je peux dire oui, un mur entoure la maison. La phrase numéro 2, il ne pleut pas en ce moment. Regardez bien. Il y a les adverbes de la négation qui encadrent le verbe pleut, bien le verbe pleuvoir. Alors, ici, je peux commencer la phrase par non. Je peux dire non, il ne pleut pas en ce moment. C'est-à-dire, la forme négative comporte une négation et exprime le contraire. La phrase qui suit, comme vous pouvez le remarquer, est toujours à la forme négative. Il n'a pas réussi son examen. Là aussi, nous avons les adverbes, bien les expressions de la négation, et l'apostrophe pas, puisque le verbe, ou bien l'auxiliaire avoir, nous avons a. Alors, devant les verbes qui commencent par une voyelle, on met N apostrophe. Alors, regardez bien. Ici, nous avons « il n'a pas réussi ». Nous avons le passé composé du verbe « réussir ». Regardez bien, les enfants, c'est l'auxiliaire « avoir » qui est encadré par la négation et non pas le participe passé. C'est-à-dire, pour les temps simples, c'est le verbe qui est encadré par les expressions ou bien les adverbes de la négation, que ce soit ne pas, ne plus, ne jamais, etc. Mais dans le cas ou bien là où nous avons des temps composés, c'est l'auxiliaire avoir qui est encadré par la négation. Il n'a pas réussi son examen. Ici, l'auxiliaire « avoir » qui est encadré. Passons maintenant à la dernière phrase. Il n'est jamais arrivé en retard. Là aussi, nous avons les adverbes de la négation « ne jamais » qui encadrent l'auxiliaire « être ». Regardez bien. Alors ici, nous avons toujours le passé composé. Il n'est jamais arrivé en retard. Alors, la phrase donne ici négation, ou bien comporte une négation, et il exprime le contraire. Est-ce qu'il est arrivé
en retard? Ou bien est-ce qu'il est arrivé toujours en retard? Non, il n'est jamais arrivé en retard. Alors, vous avez ce tableau, les enfants, pour mieux assimiler ce que je viens de vous expliquer. Alors, pour une phrase affirmative, il affirme un fait, exprime un accord, et il, bien sûr, ne comporte pas une expression de la négation, et je peux commencer la phrase par oui. Une phrase négative, au contraire, comporte les expressions ou bien les adverbes de la négation, elle exprime un désaccord. Les adverbes de la négation encadrent le verbe en cas de temps simple et l'auxiliaire en cas de temps composé. Alors, je vous propose ce tableau-là qui comporte à peu près toutes les expressions de la négation. Regardez bien. Alors, nous avons « ne pas » pour une phrase affirmative. « Il mange des légumes, il ne mange pas de légumes. » Ici, dans la première phrase, on affirme une idée. « Il mange des légumes. » Alors, « il ne mange pas de légumes. » Retenez bien que ici, nous avons une phrase affirmative qui ne comporte pas un mot qu'on doit changer à la forme négative. C'est pourquoi on a utilisé « ne pas ». Et regardez, « des » devient dans la phrase négative « de ». « Il ne mange pas de légumes ». La deuxième phrase, nous avons « ne jamais ». Elles vont souvent au parc. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour la phrase négative? Elles ne vont jamais au parc. C'est-à-dire, elles ne jamais remplace le mot souvent, et même toujours parfois, dans la phrase négative. Ne plus. Vous y serez toujours ou encore. Vous n'y serez plus. Alors, ici, j'exprime la négation, j'ai remplacé le mot « encore » ici, ou bien le sens de « toujours » ici, c'est « encore », alors « ne plus ». La phrase numéro 4, « ne personne ». J'ai vu mes amis, je n'ai vu personne. Alors, regardez bien les enfants cette phrase-là. J'ai vu qui? J'ai vu mes amis. Alors, la fonction du groupe nominal « mes amis » dans cette phrase-là, c'est un complément d'objet direct. Et le mot, ou bien l'élément de la négation « personne » va garder la même fonction, c'est-à-dire il va se placer à la fin de la phrase. « Je n'ai vu personne ». Alors, pour faire la transformation pour la phrase suivante, tout le monde parle. Alors, qui parle ici? Tout le monde. Alors, tout le monde ici a la fonction du sujet. C'est pourquoi on va dire personne ne parle. Dans cette phrase-là, personne a toujours la fonction du sujet. Ne rien. Alors, pour ces adverbes de la négation, j'entends quelque chose. Là aussi, j'entends quoi? J'entends quelque chose. Alors, quelque chose est un complément d'objet direct. Qu'est-ce qu'on va dire pour la phrase négative? Alors, je n'entends rien. Mais regardez dans la phrase suivante, nous avons rien qui est un sujet. Alors, rien ne. Tout est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout. Alors ici, on parle pas des personnes. Tout est arrivé. Alors, quelque chose. Alors, on va dire rien n'est arrivé. Parce que pour les personnes, les camarades, les amis, comme le cas de tout le monde, les cousins et tout ça, on remplace ces mots-là par personne.
et pour quelque chose ou bien quelque chose qui ne, bien sûr, qui n'indique pas une personne, un mot qui n'indique pas une personne, alors on va dire rien. Alors je reprends, tout est arrivé, rien n'est arrivé. La phrase qui suit, nous avons ne, aucun. J'ai reconnu quelques parents. Je n'ai reconnu aucun parent. Vous pouvez vous demander pourquoi on n'a pas mis ici « je n'ai reconnu personne ». Alors, regardez bien. J'ai reconnu quelques parents. C'est-à-dire, il y a ici quelques parents. Alors, parmi ces parents-là, je n'ai reconnu aucun. C'est clair, les enfants? Pour les deux dernières phrases, nous avons « ne, ni ». Elle a dansé et chanté. Ici, le sujet, si vous voulez, a fait deux actions. Danser et chanter. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour transformer cette phrase-là en affirmative en phrase négative? Elle n'a dansé ni chanté. Pour la dernière phrase, chers élèves, alors nous avons ne, ni, ni. Lui et ses sœurs, ils sont venus. Alors, ni lui, ni ses sœurs ne sont venus. J'espère que c'est clair, les enfants. Alors, pour mieux assimiler ce qu'on a tout vu, alors je vous propose ces exercices d'application. Alors, pour l'application 1, on demande d'indiquer les différents types de phrases. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de phrases exclamatives, phrases déclaratives, phrases impératives ou phrases interrogatives? Ça va bien? Bien sûr, ici, je pose une question. Il y a bel et bien le point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. La phrase numéro 2, demain, il fera beau. Alors, ici, j'énonce une idée, j'exprime une information. Demain, il fera beau, c'est une phrase déclarative qui finit par un point. La phrase numéro 3, quel beau match! Regardez bien les enfants, dans cette phrase-là, il n'y a pas de verbe. C'est clair, c'est une phrase nominale, mais exclamative. J'exprime un sentiment d'admiration. Et j'ai introduit la phrase par « quel ». Quel beau match ! Alors, la phrase finit par un point d'exclamation, donc c'est une phrase exclamative. Passons maintenant à la phrase numéro 4. Les pirates ne virent aucun trésor. Là aussi, je donne une information, je rapporte un fait. Les pirates ne virent aucun trésor. Ne vire ici, c'est le verbe voir au passé simple. Les pirates ne virent aucun trésor. Alors, comme je l'ai déjà dit, je donne une information, la phrase finit par un point, donc c'est une phrase déclarative. C'est à ton tour de faire de l'ordinateur. Là aussi, j'affirme une idée. Bien, je donne une idée, j'énonce un fait. C'est à ton tour de faire de l'ordinateur. La phrase finit par un point, donc c'est une phrase toujours déclarative. La phrase numéro 6. Sois patient. Ici, je donne un ordre. Regardez les enfants, le verbe est conjugué, le verbe être bien sûr est conjugué à l'impératif. Mais ici la phrase finit par un point, comme je l'ai déjà dit, que la phrase impérative ou bien injonctive peut finir soit par un point, soit par trois points de suspension, soit par un point d'exclamation. Alors, pour le point d'exclamation, pour renforcer l'ordre ou l'interdiction. Donc, c'est une phrase impérative ou injonctive.
La phrase numéro 7. Si les loups pouvaient parler, ils auraient de terribles histoires à raconter. Alors là aussi, pas de problème. Je pose bien sûr une information, bien je donne une information, je rapporte un fait. Donc la phrase est une phrase déclarative. La phrase numéro 8. As-tu fini ton plan de travail? Alors ici, comme vous pouvez le remarquer, la phrase finit déjà par un point d'interrogation. Bien sûr, je pose une question, j'interroge. Alors ici, je pose une question en inversant le sujet. As-tu fini ton plan de travail? Donc, c'est une phrase interrogative. Je dois bien respecter le ton. Avec T-O-N, je parle de la façon de prononcer cette phrase-là. As-tu fini ton plan de travail? Donc, c'est une phrase interrogative. La phrase numéro 9, tais-toi, par pitié. Alors là, je donne un ordre. Tais-toi, par pitié. Ici, nous avons le verbe se taire. Alors, un verbe pronominal. Tais-toi, par pitié. Alors, c'est une phrase injonctive ou impérative. La dernière phrase. Que de bijoux étaient enfermés dans ce coffre? Je m'exclame ici. J'exprime un sentiment d'admiration. Il y a beaucoup de bijoux qui sont dans ce coffre. Alors, que de bijoux étaient enfermés dans ce coffre? La phrase finit par un point d'exclamation. Elle est de type exclamatif alors. Passons maintenant à l'application numéro 2. Alors, on demande d'indiquer le type et la forme des phrases suivantes. Les légumes n'existaient pas. Les légumes n'existaient pas. Jette les gros galets brûlants dans cette eau. Comment j'ai la famille Cro-Magnon à l'abri des grottes de Dodrogne? Quelle fête ce jour-là! Les chasseurs ne s'attardent pas autour du feu. Le piège à poissons aura-t-il bien fonctionné? Alors, pour la première phrase, les légumes n'existaient pas. Alors ici, je donne cette information que les légumes n'existaient pas à une époque donnée. Alors ici, nous avons une phrase déclarative, mais négative. Pour la phrase numéro 2, jette les gros galets brûlants dans cette eau. Alors ici, je donne un ordre. J'ai déjà conjugué le verbe à l'impératif. Jette les gros galets brûlants dans cette eau. Comme vous pouvez le remarquer, la phrase ne comporte pas des expressions de la négation. Donc, c'est une phrase impérative, affirmative. Alors, la phrase numéro 3. Comment j'ai la famille Cro-Magnon à l'abri des grottes de Dordogne? Ici, je pose une question. La phrase finit par un point d'interrogation. Elle est à la forme affirmative, puisqu'il n'y a pas d'expression ou bien d'adverbe de la négation. Donc, c'est une phrase interrogative à la forme affirmative. La phrase numéro 4, quelle fête ce jour-là? Alors ici, j'exprime un sentiment de joie, de bonheur, d'admiration. La fête m'a beaucoup plu. Quelle fête ce jour-là! Alors la phrase finit par un point d'exclamation. Est-ce qu'il y a des expressions de la négation? Non, bien sûr. Alors, c'est une phrase de type exclamatif et de forme affirmative. Bon, pour la phrase numéro 5, les chasseurs ne s'attardent pas autour du feu. Encore une fois ici, je donne une information, j'énonce une idée.
Les chasseurs ne s'attardent pas autour du feu. Donc, c'est une phrase déclarative. Je déclare une idée. Je rapporte un fait. Elle finit par un point et c'est une phrase déclarative à la forme affirmative. Les chasseurs, je reprends, les chasseurs ne s'attardent pas autour du feu. Alors, ici, nous avons une phrase de type déclaratif, puisque je rapporte un fait, mais c'est une phrase à la forme négative. Pour la dernière phrase, le piège à poisson aura-t-il bien fonctionné? Alors ici, je pose une question, bien entendu, il y a un point d'interrogation, j'interroge, je pose une question, et il n'y a pas les expressions, bien les adverbes de la négation. Donc, c'est une phrase, bien entendu, interrogative, affirmative. J'espère, chers élèves, que vous avez bien assimilé la leçon. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Bien entendu. Je vous remercie toutes et tous et à très très bientôt.